nous avons fait trois constats avec Jean-Daniel Vaes. Premièrement, très souvent, l'industrie 4.0 et l'économie circulaire sont pensées comme deux concepts distincts. Et il nous semble intéressant, voire même très pertinent, de voir comment l'industrie 4.0 peut être mise au service de l'économie circulaire. La deuxième raison qui nous a motivés à organiser ce webinaire, c'est que quand on parle d'économie circulaire, très souvent, l'attention se porte sur la gestion des déchets. Et on réalise une superposition entre économie circulaire et gestion des déchets. Or, comme on le verra avec David Leleu, il est important d'adopter un regard différent, un regard élargi au cycle de vie du produit et à l'écosystème des différentes parties prenantes. Enfin, dernière raison, c'est qu'il est souvent très difficile pour un dirigeant de PME ou d'ETI de ne pas céder à la tentation d'associer économie circulaire et contrainte ou mise en conformité ou augmentation des coûts. Or, on verra là aussi avec David que la circular supply chain, économie circulaire, peut permettre de transformer ce champ de contraintes en opportunités.